Depuis que j'ai perdu mon fier galion dans une bataille, je sillonne les océans à la recherche de son remplaçant. Sapristi, faites trembler l'Oma. Ce bateau est le plus beau que j'ai jamais vu. J'ai hâte que cette merveille soit mienne. Clover ferait bien de se dépêcher. J'ai cours de journalisme dans exactement 37 minutes. Coucou, oh, les copines. Est-ce qu'on prend une bonne salade composée pour déjeuner? Ou alors un plat de viande boucanée avec des biscuits de mer? Dis-nous tout, Clover. Est-ce que tu as été engagée pour jouer dans une pièce? Ou serais-tu fiancée à un pirate rebelle au crochet affûté? Je sais que vous faites allusion à mon super ensemble pirate chic qui va faire fureur sur les podiums au printemps. Je trouve ça un tout petit peu... trop. Oui, peut-être pourrais-tu casser ce total look. Porter tes bottes de pirate avec une robe d'été légère. Eh oh, du bateau! Dans cette tenue qui insulte la mode, tu mérites le supplice de la planche. Tu es incapable de reconnaître une nouvelle tendance, même si elle est en première page des magazines de mode, Mandy. Ce qui est le cas. Bientôt, tout le monde sur le campus portera ce genre de tenue. Ben voyons, il ne te manque plus qu'un horrible perroquet pour compléter cette tenue ridicule. Oh, mais j'oubliais! C'est sûrement Sam et Alex qui vont jouer ce rôle. Ah. Ah. Ah oui, c'est très drôle, Mandy. Vous pourriez prévoir un coussin ou deux, Jerry? Oh, bigre, ça alors, quel à propos. Comment saviez-vous que nous allions en pleine mer, Clover? Ça suffit. Le prochain qui fait une blague sur les pirates, il va sentir mon crochet. Le paysage est sublime. Où vous nous emmenez aujourd'hui, Jerry? Mais sur le splendide Whooptanic, bien sûr. Ne soyez pas trop enthousiaste, mesdemoiselles. Bien qu'il ne s'agisse pas d'une mission, ce n'est pas non plus une croisière d'agrément. Je vais présenter une nouvelle ligne de gadgets à mes meilleurs agents. Une présentation? Oh oui! On est folle de joie! Mais ça nous laisse du temps dans la journée pour profiter de la mer et du soleil, ça. Eh bien, oui, je suppose, en tout cas. Clover est peut-être déjà en tenue, mais comment Sam et moi, on est censé avoir un style ultra chic pour monter sur le Whooptanic sans avoir de bagages? Je me suis chargé de tout cela. J'ai préparé vos valises. Non seulement c'est une intrusion dans notre intimité, Jerry, mais vous n'avez pris que des vêtements d'hiver. Ah bon? Vous êtes certaine? Le moment est enfin venu pour moi de passer à l'attaque. De passer à l'attaque! De passer à l'attaque! Ah! Quelle bonne idée cette présentation! J'ai hâte d'aller découvrir le spa! Oh oui, j'aurais bien besoin d'un long massage aux pierres chaudes! Incroyable, il y a des agents secrets partout! Qui aurait imaginé qu'ils étaient tous si mignons au Whoop? Quoi? Je leur ai fait un clin d'œil et ils m'ont même pas regardé! Peut-être qu'ils n'ont rien remarqué parce qu'ils n'ont pas de vision laser. Comment ils peuvent voir ton clin d'œil derrière ce ridicule bandeau que tu as sur l'œil? Ah, pardon, autant pour moi. Vous aurez le temps de vous amuser plus tard, mesdemoiselles. Ma présentation tant attendue de nouveaux gadgets est sur le point de commencer. Bienvenue à la fabuleuse Whoop Demo Gadget, une incroyable révolution dans la création des gadgets présentés par votre hôte, l'incomparable Jerry. J'espère que ça va être super rapide, ou je vais avoir besoin d'un deuxième bandeau pour que personne ne voit que je m'endors. La tablette CE 5000 ou Camouflage Express 5000 si vous préférez. Peu quand on effleure son écran, camouflez tout ce que vous voulez dans un rayon de 800 mètres. Elle peut même se compléter d'un fabuleux menu contenant plus de 10 000 images préprogrammées à votre disposition. Le rêve ou radiateur électromagnétique vapothermique escamoteur. Même si son nom vous invite à la rêverie, ne vous y trompez pas. Son rayon surpuissant peut chauffer ou désintégrer tout ce qu'un méchant pourra mettre en travers de votre route. Le pack de capsules explosives pétrifiées gluantes sera d'un grand secours. Une fois activée, elle s'immobilise un méchant dans une substance violette mille fois plus collante que du miel sur une tartine de pain beurré. Pardon. Heureusement qu'il y a un antidote. Mais au Whoop. Et pour terminer, l'attaque ATTAC ou attention, tatouage temporaire, attache criminelle. Quand on le pose sur le bras d'un ennemi, le tatouage se transforme instantanément en une corde qui le maintient prisonnier. Oui! Waouh! Jerry, c'est vrai.
vraiment surpassé cette fois, c'était épatant. Oui, j'ai hâte de pouvoir utiliser ce super matériel sur des méchants. Jerry, est-ce que ça va? Oh, pour être franc, non. Je me sens un tantinet barbouillé tout d'un coup. Vous devriez aller dans votre cabine pour vous allonger. Excellente idée, Clover. Nous nous verrons plus tard au grand pique-nique tropical et à son mambo. Ah, enfin, un moment de détente. Si vous me cherchez, je serai au spa. Moi aussi. Et moi, je serai... Ah, en plein milieu d'une attaque à risquer ma vie face à des boulets de canon. Qu'est-ce qui se passe? Aucune idée. Mais on dirait que ces boulets de canon contiennent un gaz soporifique. Peut-être que c'est encore un des exercices farfelus de Jerry, comme la dernière fois qu'on était à bord. Et franchement, ça m'étonnerait beaucoup. Parfois, les pirates sont mignons, mais ceux-là, non. Il faut qu'on s'en aille d'ici. Mais d'abord, je ferais mieux de prévenir Jerry. Jerry, c'est Sam. Il se passe quelque chose d'extrêmement bizarre. Oh, navré, mademoiselle. Je suis dans l'obligation d'annuler la totalité de mes activités pour la journée. Oh, ma tête va exploser. Oh, oh là là, il exagère un peu, non? Je m'appelle Jack Cousteau et voici mon fidèle perroquet, Calicoco. Nous allons réquisitionner ce navire. Réquisitionner ce navire ? Réquisitionner ce navire ! Ah ! Vous savez ce que c'est un coiffeur ? Ou des vêtements modernes ? Mes oripeaux me vont à merveille et sont dignes d'une longue lignée de pirates et de vaillants marins. Avec l'aide de mes deux acolytes, la murène et le boiteux, je vais enfin redorer le blason de cette noble profession en commençant par ce fier galion. Après l'avoir observé grâce à ma fidèle longue vue, j'ai décidé que ce bateau m'appartiendrait quoi qu'il en coûte. Je rêve, depuis quand voler est devenu une noble profession? Ce bateau appartient au Whoop. Et même si personnellement j'apprécie vos choix vestimentaires, messieurs, bonne chance si vous voulez prendre le Whoop Tanic, parce qu'il faudra d'abord vous débarrasser des Spice. Mais n'êtes-vous pas la plus ravissante des jeunes piratesses que j'ai jamais vues? Avec vous comme reine à mes côtés, nous pourrions régner en maître sur les mers, les océans. Dans vos rêves. Désolée, mais la ravissante piratesse reste là. Elle n'ira nulle part, et surtout pas avec vous. Oui, Clover, elle reste avec nous. Non, c'est terminé. Maintenant, elle est à moi. Pas question, lâchez-moi. Descendez sur le pont et prenez le contrôle des navires. Ensuite, vous mettrez les prisonniers dans la salle des machines. Suis-moi, Sam. Il faut qu'on aille aider Clover. On va y aller. Mais avant, on va s'emparer des gadgets de Jerry. Grâce à eux, on aura une chance de gagner la bataille. C'est comme trouver un fabuleux trésor dont on ignorait l'existence. Hey, rappelle-toi, ne touche surtout pas à cette tablette ou tu vas déclencher... Bienvenue à la fabuleuse Whoop Demo Gadget, une incroyable révolution dans la création des gadgets présentée par votre hôte. La présentation de Jerry. Tempête et mille tonnerres. C'est le moment de donner une bonne leçon à ces marins d'eau douce. Allez-y, faites ça. Pendant ce temps, je vais vous montrer de quoi je suis capable. Mais dépêche-toi, Alex, arrête ce truc-là. C'est bien ce que j'essaie de faire, je te signale. Désolé, il faut parfois faire des choix radicaux. Tiens. On essaie de mettre la main sur des armes de choc, fillette. C'est sans importance. De toute façon, on vous battra. Ouais. Et ces choses ne sont pas des armes, ce sont des gadgets d'espions ultra sophistiqués. Vous ne sauriez pas comment les utiliser. Ah, c'est là que vous faites une grossière erreur, jeune fille. En fait, je viens à l'instant de changer d'avis. Au lieu de prendre le contrôle de ce navire, je vais utiliser le rayon du rêve pour surchauffer le soleil. Les calottes glaciaires fondront, inonderont le monde et le transformeront en un gigantesque paradis aquatique pour pirates. Je trouvais son ancien plan bien plus sympathique.
Et regardez, patron, je me suis bien débrouillé, hein. Il faut se dépêcher. On doit sortir d'ici avant que Jack Cousteau inonde la planète. Et tu vois comment? Non seulement on est complètement englué ici, mais je te rappelle qu'on n'a pas le moindre gadget. Oh, j'ai pas encore d'idée, mais ce serait bien d'en trouver une et tout de suite. Bientôt, tout le monde connaîtra la légende de Jack Cousteau et de sa ravissante et indomptable reine pirate, Clover. Ensemble, vous et moi, nous pillerons le monde en quête de nouveaux trésors et régnerons sur les sept mers. Nous régnerons sur les sept mers. Nous régnerons sur les sept mers. Quelle imagination fertile! Et même si j'aime beaucoup l'aventure et la mode vestimentaire pirate, je suis définitivement une fille du 21e siècle. Eh bien, peut-être que grâce à ce petit changement, vous prendrez goût au mode de vie pirate. Hein? Inutile d'insister, même pas en rêve. Bon, si vous voulez bien m'excuser, j'ai un plan de fonte des glaces à mettre en œuvre au plus vite. La murène, le boiteux. Mais qu'est-ce que vous faites? Chaleur va ruiner mes efforts vestimentaires. Hé, il commence à faire chaud ici, tu trouves pas? Oh non, le rayon du rêve. Jack doit s'en servir pour réchauffer la terre. D'accord, si l'un de vous a un bracelet multifonction ou un rouge à lèvres laser ou quelque chose qu'on pourrait utiliser pour sortir de là, qu'il lève la main. Vous voyez, comme ça. Oh, Alex, ton bras. Oh, je faisais qu'une démonstration, Sam, hein. Tu sais bien que j'ai aucun gadget. Oh, mon bras, il est libre. Ne vous en faites pas, on reviendra vous libérer tout à l'heure. Jerry? S'il vous plaît, passez-moi le thé, mère adorée. Oh, des cakes aux figues. Ah, mes préférés. Ah, là, c'est officiel. On peut compter que sur nous. Bon, bon rétablissement, Jerry. Et hydratez-vous bien, surtout. Je croirais sur le tournage d'un film de pirates. Ou dans un super parc d'attractions. On doit arrêter le rayon du rêve et aller secourir Clover. La voie est libre, on n'a rien à craindre. Dommage qu'on puisse pas en dire autant pour la planète. Oh non, c'est encore pire que je le croyais. La plupart des villes du monde sont sur le point d'être submergées. Si on pouvait trouver la solution depuis le poste de commande. Peut-être qu'il y en a une. Je devrais pouvoir dévier la trajectoire du bateau. Comme ça, le rayon du rêve ne sera plus braqué sur le soleil et deviendra inoffensif. C'est une idée géniale, Sam. Ouais, c'est dommage pour vous qu'on soit arrivé si vite. Génial. Je veux dire, ce serait génial si c'était nous qui avions utilisé ce super gadget. C'est l'heure du supplice de la planche. Le supplice de la planche! Le supplice de la planche! Hé, hey, doucement, mais c'est très pointu. Jackie, arrêtez ça tout de suite. Sam est certainement la pire des nageuses que je connaisse et Alex a une peur panique du vide. Désolé, Clover. Personne ne trahit le grand Jack Cousteau. Reculez! Alex, c'est peut-être le moment idéal pour se servir de nos super comme poudriers main libre, non? Comme poudrier activé. Liaison avec l'ordinateur du Whooptanic. Parfait! Cap sur le port! Et tout de suite! Même si la température de l'eau va baisser. C'est vous qui devez contrôler ce navire, flibustier d'eau douce.
Qui a bien pu le faire dévier de son axe? Aucune idée, patron. C'est toi? Oui. Hein? Hé, le boiteux, vous pouvez venir une seconde? Moi? Bah oui, bien sûr, vous, beau pirate, approchez. Il faut que je vous dise quelque chose de très important. Je te tiens! Je t'ai bien eu, matelot! Oui! Attrapez-la! On est si heureuse de te voir, même dans cette tenue. Ça va, les copines, j'ai compris, vous détestez ma tenue. J'en changerai, d'accord? Mais avant, montrons à ces moussaillons de malheur ce que nous savons faire. Youhou! La murène, occupe-toi de la rose. Le boiteux, charge-toi de la brune. La petite pirate blonde est pour moi. Ok, patron. Alors, la murène, on fait moins le fier, hein? Perroquet stupide. Et voilà, un pirate d'eau douce en moins. Vous êtes sûr que je ne peux pas vous convaincre de sillonner les mers avec moi? Je vois. Alors si je comprends bien, non ne vous suffit pas comme réponse. On ne dit jamais non à un pirate. J'ai trouvé ce petit jeu très amusant jusqu'à ce que vous me coupiez une mèche de cheveux. Cette fois, ça y est, vous êtes à ma merci. Et moi qui pensais que vous étiez un pirate, vous ne pouvez pas faire mieux que ça, hein? J'ai oublié de vous révéler un secret. Je ne suis pas gaucher. Regarde ça. Vous êtes vraiment très doué. Oh, je sais. Mais il y a un détail que je vous ai caché. Je suis une super espionne. Vous n'avez pas encore gagné, jeune fille. Il va rester tranquille jusqu'à ce qu'on rentre au port et que Jerry reprenne enfin ses esprits. Beau travail, Clover. Merci. Jackie savait bien se battre aussi. Non, je parlais du lancer de boulet. L'équipe de bowling de Malihou aurait besoin de quelqu'un comme toi. Tu plaisantes, Alex? Ça risque d'abîmer mes cuticules. Encore une mission bien remplie, les Spice. Au fait, qu'est-ce qui va arriver à Jack et à ces deux hommes demain? Je me contenterai de dire qu'ils ne verront plus la merde aussitôt du fond de la cellule que le Whoop va mettre à leur disposition. Je suis vraiment navré d'avoir manqué le clou de la croisière. Ça devait être palpitant, un vrai film de cap et d'épée. Justement, en parlant d'épée, où est Clover? Je suis là, les copines. Laisse-moi deviner, c'est le style croisière chic qui fera fureur au printemps? La mode bouge à la vitesse de la lumière, Sam. Le printemps est déjà terminé. Le style croisière chic va faire fureur cet automne. Youhou! Ah oui, ce livre est passionnant. Je m'en laisse pas.
Mais oui, vous êtes subjugués de nous voir parce qu'on est trop fabuleux. Pirate chic, c'est chic, chic, chic. Oh, tu as une classe folle, Mandy. Et toi aussi, Trent. Si tu le dis. Je te comprends pas, Clover. Pourquoi t'es pas agacée que Mandy et Trent aient volé ton look? Eh bien, parce que je ne me doutais pas que mon look était aussi ridicule. Jusqu'à ce que je les vois, je leur laisse leur look pirate chic.